la découverte de la civilisation Maya. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, après une traversée éprouvante de 70 jours sur une mer apparemment infinie, Christophe Colomb et son équipage, presque découragés, aperçurent enfin la terre ferme. À l'aube, les trois navires de la flottille jetèrent l'ancre dans une baie calme et déserte, au nom de la couronne de Castille. Un notaire enregistra la prise de possession de cet îlot, probablement l'actuel îlot Watling, dans l'archipel des Bahamas, mais baptisé San Salvador par le célèbre navigateur. Par la suite, ils découvrirent l'île d'Haïti, appelée Hispaniola, qui fut un temps confondue avec l'extrémité de l'Asie. Cuba et la Jamaïque, approchés peu après, ne pouvaient être aux yeux de leurs découvreurs que Sipangu et Katai, c'est-à-dire le Japon et la Chine. Ce n'est qu'en 1513, lorsque Ponce de Léon arriva en Floride, que le continent américain lui-même fut approché sans le savoir. Cependant, le sujet principal de notre documentaire n'est pas la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais la civilisation Maya. Les Mayas sont un peuple autochtone d'Amérique centrale qui a développé une civilisation avancée à partir de l'Antiquité jusqu'au début de l'ère moderne. Ils sont connus pour leurs temples anciens, leurs glyphes et leur système complexe et précis de calendrier. La civilisation Maya a traversé les âges et est toujours bien vivante aujourd'hui. Ils sont actuellement environ 7 millions. Majoritaires au Guatemala, les Mayas représentent une partie de la population du Mexique et du Belize, et dans une moindre mesure, du Honduras et du Salvador. Ils sont les gardiens de leur culture et travaillent activement à redécouvrir leur propre passé, tout en regardant vers l'avenir. La culture Maya est caractérisée par une architecture monumentale, une iconographie et une écriture hiéroglyphique, ainsi que par des systèmes mathématiques et astronomiques complexes. Malgré les différences locales et les plus de 30 langues vivantes, les Mayas partagent des racines culturelles communes et l'héritage commun d'une civilisation accomplie qui a atteint son apogée entre 250 et 1200 de notre ère. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle expédition qui nous embarque dans un fascinant voyage vers une terre lointaine et un temps reculé. De plus, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'espace abonnement de la chaîne est désormais disponible. Et je tiens à cœur de remercier chaleureusement Arnaud Quette pour son soutien et sa solidarité. C'est le premier membre de cet espace. Et cela est précieux et symbolique, je tiens donc lui adresser ma sincère gratitude. Si vous aimez cette chaîne et si vous avez le désir de soutenir son développement, je vous remercie du fond du cœur. Dans l'espace abonné, une rubrique podcast qui parle des sujets un peu difficiles de traiter en public vous attend. Le podcast intitulé « Le monde sans farde » aborde, une fois par mois, des sujets épineux de notre histoire ainsi que de sujets de société. Si vous êtes intéressé, le bouton « Rejoindre » se trouve en dessous de cette vidéo. Maintenant, partons explorer le mystérieux monde Maya. Les premières rencontres. Lorsque Christophe Colomb revint à Séville, la foule se pressait pour apercevoir ces sauvages qui semblèrent ne pas être des descendants d'Adam, à moitié nus et portant des perroquets multicolores sur leurs épaules de bronze. Les Indiens des Caraïbes se sont rapidement révélés être une main-d'œuvre utile et bon marché. Colomb lui-même a vendu 509 d'entre eux à Séville en 1485 et son frère 300 de plus l'année suivante à Cadix. Dans les 12 années qui ont suivi la découverte, Colomb a repris la route des Antilles à plusieurs reprises, avec une flotte de plus en plus importante, dans une quête obstinée de cette Chine insaisissable. En 1506, l'année même de la mort de Colomb, Juan Diaz de Solís et Vicente Yanez Pinzón ont été les premiers à débarquer sur la côte mexicaine. Mais ils ont cru avoir découvert une nouvelle île plutôt que le centre de l'univers Maya. Les Mayas, considérés comme les Grecs du nouveau continent, avec leurs surprenantes réalisations artistiques, ne seront pris en compte qu'au XIXe siècle. Même Hernán Cortés, qui a conquis l'Empire aztèque au XVIe siècle, n'a jamais soupçonné l'existence de cette civilisation voisine, incomparable,
qui s'est développé plus au sud, entre le Yucatan et le Guatemala, au cours de plus d'un millénaire, du 3e au 14e siècle. À cette époque, la civilisation maya était presque éteinte. Les dernières grandes réalisations au nord du Yucatan, comme celle de Chichen Itza et d'Uxmal, datant de plus de 3 siècles auparavant. Le véritable contact avec les Mayas, avant l'arrivée de Cortés, n'a pas eu lieu en 1511 avec quelques survivants de l'expédition de Vasco Núñez de Balboa, mais plutôt le 4 mars 1517, lorsque 3 voiliers de La Havane, Cuba, ont été poussés par une forte tempête pendant 2 jours et 2 nuits et ont ancré près des côtes nord du Yucatan. Plus précisément, la flottille était commandée par Francisco Hernández de Córdoba, un riche gentleman de Cuba, maître d'un village d'Indiens, qui cherchait des esclaves pour les plantations des Antilles qui avaient besoin d'une main-d'œuvre nombreuse, réduite en continu par la dureté du travail forcé et des épidémies. De nombreux colons aux Antilles avaient pris l'habitude de partir pour des expéditions dans les archipels voisins et sur les côtes de l'isthme du Panama. Partis au hasard vers le coucher du soleil, la tempête les a détournés de leur chemin vers les terres du Cap Catoche. Une certaine agitation suggérait qu'ils seraient près d'une foire. Bientôt, 2 ou 3 douzaines d'indigènes arrivèrent à bord en pirogue. Leurs tuniques de coton surprenaient les Espagnols, car les indigènes des Antilles marchaient presque nus. De cette première observation, il a été considéré que les Mayas avaient plus de cerveau que le peuple cubain. Invités par des gestes des indigènes à explorer la ville, les Espagnols ont pris quelques mousquets et ont avancé prudemment. Après 2 heures de marche, ils sont tombés dans une embuscade. Un cri du chef indien a déclenché une pluie de flèches et une horde d'Indiens a surgi de la végétation, blessant rapidement 15 Espagnols. Cependant, le tonnerre de la poudre, inconnu dans le Nouveau Monde, a effrayé les attaquants. Malgré les pertes, ils ont décidé de continuer leur exploration et ont découvert une petite place bordée de 3 bâtiments en maçonnerie soigneusement construits. Selon Bernal Diaz del Castillo, dans son livre « Histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne », ces bâtiments abritaient un grand nombre d'idoles d'argile. Certaines avec une tête de démon, d'autres représentant des femmes de grande taille, et beaucoup avec des visages hideux. Des coffres en bois remplis d'idoles ont également été trouvés dans les maisons. González, le prêtre de l'expédition, a pris et confisqué tout l'or qu'il a pu trouver. Les Espagnols, habitués depuis 7 siècles à la guerre contre l'islam, considéraient tous les infidèles comme des maures. Les chroniqueurs ibériques, y compris Cortés, continuaient à appeler les temples mayas, aztèques ou inca mosquées. Sur le chemin du retour vers les bateaux, ils ont capturé 2 personnes portant une terrible tache noire. De poids, entre les yeux, une coutume maya pour forcer les enfants à avoir un strabisme considéré comme attrayant. Ils ont été baptisés immédiatement et nommés Julianillo et Melchiorejo, et utilisés comme intermédiaires entre les Espagnols et les indigènes. Les navires ont navigué d'abord vers l'ouest, puis vers le sud, longeant les rives et ayant la terre à gauche. Ils se sont arrêtés à l'endroit qu'ils ont immédiatement appelé « la Punta de las Mujeres », car ici, quelques tours de pierre abritaient des idoles féminines auxquelles les Indiens donnaient des noms étranges. Lors de l'arrêt suivant, dans l'actuel Campeche, sur la côte orientale de la péninsule, les membres de la flottille ont remarqué avec surprise un édifice orné de sculptures sur le frontispice, représentant des animaux fabuleux qui semblaient se déchirer. En entrant dans ces temples, ils ont été dégoûtés à la vue des murs maculés de sang humain. Récemment, des sacrifices humains avaient eu lieu et même les longs cheveux noirs des prêtres étaient ébouriffés de sang coagulé. Les Mayas pratiquaient le sacrifice humain dans leur culture précolombienne, offrant du sang humain aux dieux et aux déesses comme nourriture et pour des rituels liés à la fertilité. Les sacrifices humains étaient souvent effectués sur des terrains de jeux de balles, qui avaient diverses fonctions religieuses et politiques. Les prêtres mayas jouaient un rôle central dans les sacrifices humains, effectuant les rituels et offrant le sang aux dieux. Un matin, les Indiens ont attaqué les explorateurs espagnols avec une pluie de flèches, puis se sont jetés dans un corps à corps acharné. Ceux qui étaient capturés vivants
étaient traînés par les cheveux sur les pierres des temples pour être sacrifiés. Les pertes furent lourdes et les Espagnols durent battre en retraite. Beaucoup avaient le cou entaillé par des couteaux et des flèches en bois, pointes de silex et d'obsidienne. Le chroniqueur Bernal Díaz del Castillo, alors âgé de 25 ans, fut touché par 3 flèches et même Hernández de Córdoba, le chef de l'expédition, mourut à son retour à Cuba à cause de ses blessures. De plus, sans eau, la flottille a été torturée par la soif. Cependant, revenant avec un peu d'or, de longues boucles d'oreilles en forme de canard ou de poisson, de l'or de mauvaise qualité, cela suffisait bien sûr à tenter les aventuriers. On parlait aussi de constructions en ciment, inconnues aux Antilles. Et tout cela a fait beaucoup de bruit. Quelques vendeurs de rêves bien informés ont expliqué que les idoles étaient des figurines juives, emmenées là par les exilés par Titus et Vespasien après la chute de Jérusalem. À Puerto de Carenas, la Havane, et à Santiago de Cuba, où les temples, les vêtements et les bijoux vus ont été décrits avec de nombreuses fioritures, on ne parlait que d'un nouveau départ. Nouvelles expéditions. Diego Velázquez de Cuellar, le conquérant et gouverneur de Cuba, a décidé d'envoyer une nouvelle flottille pour prendre possession de la nouvelle île pour la Castille. Il a confié cette mission à son parent, Juan de Grijalva, qui a mené l'expédition avec 240 volontaires. Les volontaires ont contribué aux frais de voyage, ce qui donne une idée du caractère relativement démocratique de ces actions. Les 4 navires étaient chargés d'eau, de nourriture et toutes sortes de choses bon marché à troquer, en particulier des perles de verre et des légumes, mais surtout du vin, car on avait observé que les Indiens avaient une attirance débridée pour lui, buvant souvent jusqu'à en tomber. Diego Velázquez de Cuellar était un officier et administrateur espagnol dans le Nouveau Monde, qui a conquis l'île de Cuba et en a été gouverneur de 1511 à sa mort en 1524. Juan de Grijalva était un conquistador espagnol et un parent de Diego Velázquez. Il a exploré la côte orientale du Mexique en 1518 et a démontré que le Yucatan était une péninsule, et non pas, comme on le pensait auparavant, une île. La consommation de vin par les Indiens en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle était un sujet de préoccupation pour les Espagnols. Bien que le vin soit un marqueur de l'identité espagnole, sa consommation excessive par les Indiens était considérée comme problématique. Les éventuelles dérives, telles que les ivresses licencieuses, étaient encore plus préoccupantes. Malgré les interdictions et les peines qui s'appliquaient aux vendeurs espagnols, la grande rentabilité de ce trafic constituait une motivation forte, parfois la raison principale qui expliquait l'arrivée des Espagnols dans ces villages. Le 25 janvier 1518, à l'aube, Santiago de Cuba s'éveille au son des sifflets et au rythme des tambours. Les hommes montent à bord des navires, la tête rasée de frais. Un détail qui n'a rien d'anodin. Les survivants du premier voyage avaient en effet remarqué que les Indiens, lors des luttes corps à corps, cherchaient à capturer leurs adversaires vivants en les attrapant par les cheveux pour les sacrifier plus tard à leurs dieux assoiffés de sang humain. Les guerres avec les Mexicains avaient d'ailleurs pour but principal de faire des prisonniers à cette fin. Après une escale à La Havane, la flotte de 4 navires, dont l'un commandé par Francisco de Montejo, futur premier gouverneur du Yucatan, met le cap vers le couchant. 3 jours plus tard, l'île de Cozumel apparaît, flanquant la côte est du Yucatan. Aussitôt déclarée possession castillane, elle est explorée par les Espagnols qui découvrent dans un temple une grande idole creuse en argile, fixée au mur. Un prêtre s'y cachait sans doute pour répondre aux fidèles ébahis. Le 7 mai de la même année, un peu plus au sud, les imposants bâtiments en pierre de Tulum, alignés sur la falaise, se dévoilent aux yeux étonnés des conquistadors. Une ville si formidable que Séville elle-même ne puisse être plus belle et plus grande. Le Castillo, sévère temple-forteresse d'eau à la mer, se dresse sur la place cérémonielle, close sur 3 côtés par un épais mur percé de 5 portes. Au-delà s'étend le quartier populaire aux maisons de pierre.
une cité maya datant du 12e au 3e siècle, qui sera abandonnée en 1544 après la conquête espagnole. La flottille de Juan de Grijalva poursuit sa mission d'exploration le long de la côte du Yucatan, avançant vers le sud. Elle atteint la baie de Terminos et bientôt la région de Tabasco. Une des rivières qui se jette dans la mer dans cette zone reçoit le nom de Grijalva, qu'elle porte encore aujourd'hui. Là, les Espagnols reprennent contact avec la population maya, prenant leurs précautions défensives. Mais ils sont finalement approvisionnés en dinde, en maïs, et reçoivent même de longues boucles d'oreilles en tumbaga, un alliage d'or, d'argent et de cuivre utilisé dans l'art précolombien. Sur une petite île de la région, Bernal Díaz del Castillo rapporte avoir trouvé deux bâtiments en maçonnerie soignée, probablement des temples, abritant de nombreuses idoles vénérées par les Mayas. Mais le spectacle le plus marquant fut la découverte de 5 Indiens sacrifiés la veille, la poitrine ouverte, les mains et les pieds coupés, le sang collant encore au mur. Choqué, Díaz del Castillo baptise ce lieu l'île des sacrifices. Cette rencontre avec la civilisation maya, sa culture et ses rites, fut un véritable choc pour les conquistadors espagnols. Leur vision du monde et leur foi chrétienne se heurtaient violemment aux croyances et coutumes des peuples indigènes qu'ils découvraient. Un fossé culturel immense qui allait marquer durablement les relations entre Espagnols et Mayas lors de la conquête du Yucatan. Aux portes de l'Empire aztèque, encore inconnu, Juan de Grijalva établit le premier contact historique avec cette puissance. Près de l'isthme de Tehuantepec, il rencontre des messagers de l'empereur Montezuma, postés là depuis un an, depuis que la nouvelle de l'apparition d'hommes blancs et barbus sur de grands voiliers avait atteint Tenochtitlan, Mexico, la capitale impériale. Leur mission : observer et sonder les intentions de ces nouveaux venus, pris pour des envoyés de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Ce souverain déifié, parti 5 siècles auparavant, avait promis de revenir un jour reconquérir son trône. Pendant 10 jours, Espagnols et Aztèques s'observent, s'offrent des présents, se congratulent. Mais Grijalva, mal armé et équipé, manque d'audace. Il se montre moins téméraire qu'Hernán Cortés, qui, l'année suivante, s'enfoncera au cœur du Mexique et, jouant sur des rivalités tribales, parviendra à conquérir l'Empire avec des pertes relativement faibles. Surpris de voir la côte se prolonger vers l'ouest et de hautes chaînes montagneuses au loin, Grijalva doute de pouvoir boucler le tour de cette île. Avec une immense certitude, il décide de retourner à Cuba. Mais là, il est tourné en dérision quand on réalise que les 600 haches dorées, à peine rassemblées et achetées, relativement chères aux Indiens de l'isthme, sont en fait en cuivre. Car le métal est apparu tardivement dans le monde maya, vers l'an 950, et son usage est resté limité. Cette brillante civilisation qui maîtrisait l'écriture est ainsi demeurée pratiquement à l'âge de pierre, tout au long de son existence. Un paradoxe qui n'a pas manqué d'étonner les conquistadors. Eux, qui venaient d'une Europe où le fer et l'acier étaient comme maîtrisés depuis des siècles, découvraient une culture à la fois raffinée et primitive, aux temples majestueux, mais aux armes de pierre. Un contraste saisissant qui ne fit qu'attiser leur soif de conquête et leur sentiment de supériorité technologique et culturelle. Pedro de Alvarado, lieutenant en chef de Cortés, est celui qui a réussi à conquérir le Guatemala, que son supérieur avait traversé lors de son expédition de 1524 à 1526 jusqu'au Honduras. Le Chiapas fut également conquis par Francisco de Montejo. Venu de Séville avec 400 soldats sur 4 navires bien armés, sa mission était d'occuper la péninsule du Yucatan. Mais contrairement au plateau mexicain, rapidement soumis et pacifié, les choses allaient se dérouler différemment en territoire maya. À cette époque, le Yucatan était divisé entre plusieurs familles princières, dont les Cocom et les Chiu étaient les plus importantes. Ces familles formaient une sorte de caste féodale héréditaire, dirigeant une population agricole divisée en clans totémiques, jaguars, serpents, singes, etc. Obligés de travailler à la construction de temples, palais, routes et autres activités.
les Mayas du Nord s'opposèrent farouchement aux Espagnols. Après 8 années de combats acharnés, ils parvinrent même à les chasser temporairement de la province. Au début, les villes étaient pourtant tombées les unes après les autres. Écab, Conil, Loche, Chacua, Aké, Zilam. Mais les Yucatèques étaient indignés par les fréquentes incursions des soldats espagnols pour capturer des esclaves. Ces razzias avaient pris une telle ampleur qu'une vie humaine n'avait plus qu'une très faible valeur marchande. On vit même une fois une fille de chef indien échangée contre un simple morceau de fromage. S'ensuivirent 10 années mouvementées et sanglantes, marquées par des soulèvements et des répressions brutales, un retrait momentané des Espagnols jetés à la mer. Mais ils revinrent en force avec le temps. Les clans Xiu puis Kokom finirent par se soumettre, non sans avoir obtenu l'interdiction de la vente d'esclaves. En 1548, le Yucatan fut rattaché administrativement au Mexique, mais pas spirituellement. Les Mayas s'opposèrent toujours, et il fallut réaffirmer cette intégration en 1848. Pendant ce temps, au cœur de la péninsule, le royaume de Petén Itzá et sa capitale Tayasal, établie sur l'île du lac Chaltuna dans l'actuel Guatemala, restait une forteresse de résistance maya. La conquête espagnole des Mayas fut longue et âpre. Les royaumes mayas résistèrent à l'intégration dans l'Empire espagnol durant près de 2 siècles. Le Vieux Monde découvre le Nouveau Monde. En 1520, à Valladolid, l'empereur Charles Quint se voit offrir un trésor venu du Nouveau Monde, des Indiens et de somptueux objets d'orfèvrerie. Ces êtres et ces créations éveillent la curiosité et l'admiration. L'empereur lui-même montre avec fierté un poisson d'argent incrusté d'or, cadeau qu'il regrette d'avoir dû céder au pape. Le célèbre orfèvre Benvenuto Cellini, dont le nom domine tout l'art de son siècle, est enthousiasmé. Avec Albrecht Dürer, il est le seul à avoir eu le privilège de contempler à Bruxelles ses bijoux et objets en pierre et plumes offerts à Charles Quint. Cellini en apprécie la valeur artistique et les loue sans retenue. Dans son journal, le maître de Nuremberg s'émerveille. Parmi ces choses précieuses, valant 100 000 florins, j'ai vu des objets incroyablement beaux créés par l'homme. J'ai été surpris et ravi par le génie subtil des gens de ces pays lointains. Il décrit un soleil d'or d'une coudée, une lune d'argent de même taille, 2 salles emplies d'armes de combat, de cuirasses, d'instruments de jet étonnants, de costumes étranges. Tout était si grandiose qu'il semblait un miracle qu'on puisse voir tant de beauté. Contrairement à leurs contemporains, qui ne voient dans ces objets que des curiosités exotiques et des bibelots barbares bon marché, Cellini et Dürer rendent ainsi le premier hommage aux artistes du Nouveau Monde. Ils reconnaissent la maîtrise technique et le sens esthétique de ces créateurs, venus d'un autre univers culturel. Ce regard éclairé tranche avec l'ethnocentrisme dominant à l'époque. Il faudra attendre des siècles pour que l'art précolombien soit pleinement apprécié à sa juste valeur. Mais dès 1120, 2 grands artistes européens ont su percevoir le génie créatif de ces peuples lointains, ouvrant la voie à une reconnaissance de l'universalité de l'art. Ce n'est qu'en 1784 qu'arrive enfin la première commission officielle chargée d'étudier les vestiges mayas. Dirigée par José Calderón et Bernasconi, elle a pour mission, sur ordre de Charles III d'Espagne, de rédiger un rapport et de recueillir des objets d'art importants. Peu après, le capitaine Antonio del Rio, officier d'artillerie, est envoyé sur ces sites, notamment celui de Palenque, découvert 30 ans plus tôt. Mais ses méthodes de recherche sont destructrices. Son rapport, rédigé avec un certain Cabrera, paraîtra à Londres en 1822. Il peut être considéré comme le premier ouvrage d'archéologie maya, même si ses conclusions, comme l'origine égyptienne des bâtisseurs de Palenque, font aujourd'hui sourire. Le soi-disant comte Jean-Frédéric de Waldeck, autrichien installé en France qui avait participé à l'expédition d'Égypte avec Bonaparte, vient à Palenque pour vérifier cette thèse. Il y passe 2 ans, de 1832 à 1834.
Ces illustrations donnent au monument Maya un air résolument égyptien, en accord avec les vues de son mécène. Lord Kingsborough, tout aussi original, dilapide sa fortune en subventionnant des publications luxueuses, tentant de prouver que les Amérindiens descendaient d'une des 10 tribus perdues d'Israël. Il meurt en prison pour dette. Mais de ces énormes livres publiés entre 1830 et 1848 ressortent des merveilles, comme la première reproduction du plus beau codex maya, l'un des 3 seuls rescapés, celui conservé à Dresde. Ces pionniers, malgré leurs théories farfelues, ont ouvert la voie à l'étude scientifique de la civilisation maya. Leurs travaux, bien qu'imparfaits, ont permis de révéler au monde la grandeur et le mystère de cette culture millénaire. Ils ont posé les premières pierres d'un édifice de connaissances qui ne cesse de s'enrichir depuis, au fil des découvertes archéologiques et du déchiffrement progressif de l'écriture maya. Le Codex de Dresde, en particulier, est un trésor inestimable. Ce livre accordéon en écorce de figuier, long de plus de 3 mètres, est le plus sophistiqué des 4 manuscrits mayas précolombiens connus. Réalisé au XVe siècle au Yucatan, il contient des almanachs, des tables astronomiques, des rituels et même une représentation de la fin du monde dans un grand déluge. Ces peintures révèlent une variété d'influences régionales et le travail de 8 scribes peintres différents. Le choc des civilisations. Les découvertes archéologiques des dernières décennies ont balayé l'ancienne théorie d'une civilisation maya isolée dans son splendide développement, inspirant ensuite les cultures voisines. On sait aujourd'hui que 5 grands centres civilisationnels se sont épanouis parallèlement durant la période classique, entre 300 et 900 après Jésus-Christ. 4 civilisations étaient en contact, plus culturellement que matériellement, avec le monde maya. Les Olmèques de la Venta, les plus proches, dans la boucle du golfe du Mexique, les Totonacs del Tajín, au centre de Veracruz, entre le 7e et le 14e siècle. Les Apothèques de Monte Albán, dans la région d'Oaxaca, surtout entre 500 et 1000. Et Teotihuacan, la cité des grandes pyramides, à moins de 50 km au nord de Mexico, dont l'âge d'or se situe entre 400 et 700. Malgré des traits communs, un faciès américain prononcé, la question des origines de ces peuples a dérouté les Européens du XVIe siècle. De qui descendaient ces cannibales? De Cham, Sem ou Japhet, fils de Noé? Étaient-ils seulement des humains, avec leurs idoles et coutumes horribles? Ou plutôt des créatures du diable? Il fallut une bulle du pape Paul III en 1536 pour affirmer sans conteste leur nature humaine et leur filiation depuis Noé. Car les Espagnols ont rencontré une mosaïque de peuples à travers des étendues immenses aux paysages infiniment variés, des steppes désolées aux toundras gelées des sommets, en passant par les tierras calientes humides et luxuriantes, les tierras templadas cultivées et les tierras frías entre 2000 et 3000 mètres. Vie et croyances y étaient façonnées par un environnement hostile, secoué de cyclones, éruptions et séismes. Cette diversité fascinante des peuples précolombiens, les conquistadors l'ont découverte avec stupeur. Eux qui venaient d'une Europe chrétienne relativement homogène culturellement, se trouvaient face à un kaléidoscope de langues, coutumes, dieux et rites étranges. Un choc des civilisations qui allait marquer durablement les relations entre anciens et nouveaux mondes. Mais au-delà des différences, ces cultures partageaient une même matrice américaine, forgée par des millénaires d'adaptation à un continent à la nature exubérante et imprévisible. Elles avaient développé des savoirs agricoles, architecturaux et astronomiques sophistiqués, des organisations sociales et politiques complexes, des panthéons et des mythologies foisonnants. Un héritage inestimable que les archéologues s'attachent aujourd'hui à redécouvrir, révélant peu à peu les secrets de ces civilisations longtemps méconnues. Grâce à de nouvelles technologies comme le LIDAR, des cités enfouies sous la jungle sont mises au jour, comme récemment Ocomptoun au Yucatan. Loin d'être isolés, Maya, Olmec, Zapotec et autres ont tissé des liens, échangé des idées, rivalisé aussi parfois.
une histoire connectée qui émerge peu à peu, révélant toute la richesse et la complexité de ces mondes anciens. Un héritage vivant aussi, perpétué par les millions de descendants de ces peuples, gardiens de langues et traditions millénaires. La même diversité déroutante se retrouve dans l'étude des langues précolombiennes. Un ethnologue français y a découvert 123 familles linguistiques différentes, sans lien avec les langues asiatiques et assez faiblement apparentées entre elles. Depuis la découverte des Amériques, l'origine des populations du Nouveau Monde n'a cessé de susciter controverses et interrogations. L'extraordinaire polymorphisme humain et linguistique laisse perplexes tous les chercheurs. La surprenante variété des caractéristiques physiques, taille, morphologie, pigmentation, groupe sanguin, et des dialectes amérindiens. Un continent Babel, disent certains, continue de semer la confusion. L'explication d'une telle diversité est à chercher dans la nature et la longue histoire du peuplement américain. Car l'Amérique est un continent immense, aux écosystèmes infiniment variés, des toundras arctiques aux forêts tropicales, en passant par les hauts plateaux andins et les plaines tempérées. Cette mosaïque de milieux a façonné au fil des millénaires des adaptations et des spécialisations locales, donnant naissance à une multitude de peuples aux morphologies et modes de vie distincts. Mais cette diversité s'enracine aussi dans une histoire complexe et ancienne. Les données archéologiques et génétiques suggèrent que l'Amérique a été peuplée en plusieurs vagues, depuis au moins 15 000 ans, par des populations venues d'Asie via le détroit de Bering. Ces premiers Américains ont ensuite divergé et évolué séparément pendant des millénaires, au gré des migrations, des isolements géographiques et des changements climatiques. La rencontre entre les deux mondes, à part le choc des civilisations, fut aussi un choc microbien dévastateur. Les Amérindiens, isolés depuis des millénaires, n'avaient pas d'immunité contre les maladies européennes comme la variole, la rougeole ou la grippe. Des épidémies terribles décimèrent les populations, faisant disparaître en quelques décennies jusqu'à 90% des Amérindiens dans certaines régions. Un cataclysme démographique qui eut un impact durable sur la diversité génétique et linguistique du continent. De nombreuses langues et cultures s'éteignirent à jamais, emportant avec elles des pans entiers de savoirs et de visions du monde unique. Aujourd'hui, grâce aux progrès de l'archéologie, de la génétique et de la linguistique, le puzzle du peuplement américain commence à se reconstituer. Les scientifiques retracent peu à peu les migrations anciennes, les liens entre les peuples, les parentés linguistiques insoupçonnées. Une histoire fascinante et complexe émerge, révélant toute la profondeur temporelle et la richesse humaine des Amériques précolombiennes. Malgré la multiplication de thèses contradictoires, parfois séduisantes ou fantaisistes, les spécialistes s'accordent aujourd'hui sur le scénario suivant. Entre 15 000 et 9 000 ans avant notre ère, de petits groupes de chasseurs d'Asie du Nord-Est, aux traits mongoloïdes encore visibles chez la plupart des Amérindiens, sont entrés progressivement en Amérique par le détroit de Bering. Certains seraient même venus, en plusieurs étapes, des îles océaniques et indonésiennes via les Aléoutiennes. Les îles Aléoutiennes, également connues sous le nom d'Aleutian Islands en anglais, forment un archipel situé en mer de Bering au sud-ouest de l'Alaska. Arrivés sur le continent, ces Asiatiques migrent vers le sud, traquant gibier, poissons et fruits sauvages. En Amazonie, certains groupes en sont encore aujourd'hui à ce stade de chasseurs-cueilleurs. Dans la vallée de Mexico, alors marécageuse et parsemée de lagunes, ces nomades s'attaquent aux grands mammifères comme le mammouth et une espèce disparue de bison, les forçant parfois à sauter du haut des falaises, comme à Solutré, un site géologique important en Bourgogne. Il y a 7000 ou 8000 ans, avec le réchauffement climatique, cette mégafaune s'éteint. Les chasseurs s'adaptent, se nourrissant d'oiseaux, tortues, lapins et plantes sauvages. Peu nombreux et dispersés, ils tentent les premières cultures en différents points entre Mésoamérique et Pérou. Maïs, haricots, courges, patates douces, piment, coton, tabac. Vers 2500 avant notre ère, la révolution agricole s'accélère. De petits villages permanents se créent.
la poterie apparaît vers 2300, notamment dans la vallée de Tehuacan, où la présence humaine est continue. Dans le bassin de Mexico, les premiers villages d'agriculteurs sédentaires, Tlatilco, El Arbolillo, Zacatenco, Cuicuilco, surgissent vers 1000 avant notre ère près des lacs giboyeux. Ces paysans des temps anciens cultivent maïs, tomates, courges, piments et haricots, mais chassent et pêchent aussi pour compléter leur alimentation. Les femmes tissent le yuca et l'agave. Potiers habiles, ils modèlent d'élégants récipients et de petites figurines en terre cuite liées au rite de fertilité, où seul le dieu du feu, un vieil homme, les surpasse en nombre. Vers 600 avant notre ère, les premiers grands sanctuaires sur plateforme annonçant les futures pyramides apparaissent à Cuicuilco. Mais 3 siècles plus tard, la lave recouvre ce haut lieu de culte. Ainsi, en quelques millénaires, les premiers Américains sont passés du nomadisme à la sédentarité, de la chasse-cueillette à l'agriculture, posant les bases des grandes civilisations à venir. Une évolution complexe et fascinante, fruit d'adaptations ingénieuses à des environnements variés, du froid arctique à la moiteur amazonienne. Mais cette histoire ancienne reste encore pleine de mystères. Quand et par où exactement sont arrivés les premiers humains ? Quel chemin ont-ils emprunté pour peupler cet immense continent ? Comment expliquer la formidable diversité linguistique et culturelle des Amériques précolombiennes ? Autant de questions qui passionnent les chercheurs et suscitent de vifs débats. Car retracer la genèse des civilisations amérindiennes, c'est remonter aux sources mêmes de l'aventure humaine dans le Nouveau Monde. Une quête des origines qui n'a pas fini de nous émerveiller et de nous interroger sur notre propre place dans l'histoire de la planète. Sa Majesté le Maïs. L'apparition de la culture du maïs il y a 3000 à 4000 ans avant notre ère dans le sud du Mexique et le golfe du Mexique a provoqué des changements profonds dans la vie des Amérindiens. Les botanistes sont divisés sur son origine exacte, Amérique centrale ou du sud. Au centre du monde, Maya se trouve cette plante sacrée, nourricière et divine, le maïs. Car pour les Mayas, le maïs n'était pas qu'une simple céréale. C'était la substance même dont les dieux avaient façonné les humains, selon leur mythe fondateur. Le maïs rythmait la vie des Mayas, du semis à la récolte. Chaque étape était accompagnée de rituels et de cérémonies en l'honneur des divinités du maïs, comme le jeune dieu épi Hunhunapu. Les paysans Mayas, qui formaient 90% de la population, vouaient un véritable culte à cette plante qui les nourrissait. Ils la cultivaient avec amour et respect sur leurs champs, les mille passes, après avoir brûlé et défriché la forêt. Le maïs était bien plus que la base de l'alimentation maya. Il était au cœur de leur vision du monde, de leurs croyances, de leur art. Les temples et les palais étaient ornés de représentations de dieux du maïs. Les élites portaient de somptueuses coiffes en forme d'épi. Le cycle du maïs, de la germination à la récolte, symbolisait la résurrection et la fertilité. Mais le maïs a aussi profondément transformé la société maya. En permettant de nourrir une population croissante, il a favorisé l'essor des cités et des royaumes. En ne mobilisant les paysans que 200 jours par an, il leur a permis de dégager du temps pour des activités intellectuelles, artistiques et religieuses. Les élites et les prêtres, libérés des tâches agricoles, ont pu se consacrer aux sciences, aux arts et aux rituels. Selon Eric S. Thompson, sans le maïs, les Mayas n'auraient pas eu les ressources et la main-d'œuvre pour construire leurs pyramides et temples. L'amour mystique qu'ils vouaient au maïs a motivé les paysans à réaliser ces projets. Le maïs faisait l'objet d'une véritable vénération religieuse chez les Mayas. Chaque étape du calendrier agricole donnait lieu à des célébrations. Les mythes faisaient naître l'homme du maïs. Cependant, cette dépendance au maïs a aussi rendu les Mayas vulnérables. Lorsque de longues sécheresses ont frappé les basses terres mayas entre le 8e et le 10e siècle, les récoltes ont dramatiquement chuté.
La famine et les conflits pour les ressources ont précipité l'effondrement des royaumes de la période classique. Un déclin que certains attribuent en partie à une trop grande spécialisation agricole autour du maïs. Malgré ce revers de l'histoire, le maïs est resté au cœur de l'identité des peuples mayas jusqu'à aujourd'hui. Dans les villages du Guatemala ou du Yucatan, on continue de le vénérer et de le cultiver selon des rites ancestraux. Les variétés traditionnelles, aux grains bleus, rouges ou noirs, sont précieusement conservées. Car le maïs est bien plus qu'une plante pour les descendants des Mayas. C'est un héritage vivant, un lien direct avec leurs glorieux ancêtres bâtisseurs de pyramides. C'est le fil qui relie le présent au passé, la terre au ciel, les hommes aux dieux. En cultivant le maïs, en le consommant lors de repas rituels, il perpétue une tradition millénaire qui a façonné l'une des plus fascinantes civilisations de l'histoire humaine. La culture olmèque de la Venta, qui a précédé ou coexisté avec les Mayas à leur début, a posé les bases de la civilisation maya en développant la culture du maïs. Les Olmèques sont considérés comme la première grande civilisation mésoaméricaine qui s'est épanouie entre 1600 et 400 avant Jésus-Christ sur la côte du golfe du Mexique, dans les états actuels de Veracruz et Tabasco. Le terme Olmèque signifie « habitant du pays du caoutchouc » en langue nahuatl, et leur a été donné bien après leur apogée par les Aztèques. On ne connaît pas le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes. Leur influence culturelle s'est étendue dans une grande partie de la Mésoamérique, du centre du Mexique jusqu'au Costa Rica. Ils sont considérés comme la « culture mère », ayant influencé les civilisations postérieures comme les Mayas et les Aztèques. Les principaux centres olmèques étaient San Lorenzo, La Venta et Tres Zapotes. La Venta, sur une île au milieu des marécages, fut leur capitale et centre cérémoniel majeur entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Ils sont célèbres pour leur tête colossale en basalte, pouvant peser jusqu'à 50 tonnes, probablement des portraits de dirigeants, ainsi que pour leurs sculptures de jaguars et d'hommes jaguars, animal vénérés. Leur art très distinctif mêle des traits humains et animaux, et se caractérise par des yeux enfoncés, des lèvres charnues et une expression sévère. Il avait une forte dimension religieuse et symbolique. Il pratiquait des rituels impliquant des offrandes précieuses dans des lieux naturels, sources, rivières, puis dans leurs centres cérémoniels. Les sacrifices humains étaient probablement pratiqués. Le déclin de la civilisation olmèque commence vers 400 avant Jésus-Christ, peut-être en raison de changements environnementaux, mais les causes précises restent inconnues. Leur héritage culturel a cependant perduré longtemps après. Redécouverts à partir du 19e siècle, ils ont fait l'objet de nombreuses spéculations, origine africaine, voire extraterrestre, avant que les recherches, surtout à partir des années 1940, ne confirment leur identité mésoaméricaine. Quoi qu'il en soit, les Olmèques furent une brillante civilisation très influente, à l'origine de nombreux traits culturels fondamentaux de la Mésoamérique. Malgré les mystères qui les entourent encore, les recherches récentes permettent peu à peu de mieux cerner leur identité et leur rôle crucial dans l'histoire de cette région du monde. Spiritualité mésoaméricaine. Les Olmèques sont considérés comme la première grande civilisation mésoaméricaine qui s'est épanouie entre 1600 et 400 avant Jésus-Christ sur la côte du golfe du Mexique, dans les états actuels de Veracruz et Tabasco. Leur influence culturelle s'est étendue dans une grande partie de la Mésoamérique, du centre du Mexique jusqu'au Costa Rica. Ils sont considérés comme la culture mère, ayant influencé les civilisations postérieures comme les Mayas et les Aztèques. La religion des Mayas et des Olmèques était polythéiste, entourée de superstitions, de présages et de magie. Leur vision du monde était profondément religieuse, tragique, pessimiste et fataliste. La mort menaçait tout, même les étoiles. Les Mayas et les Olmèques croyaient que l'homme avait la responsabilité de maintenir l'ordre cosmique par des rituels et des sacrifices, notamment humains, pour nourrir les dieux et les étoiles, afin d'éviter la destruction du monde.
Chacun avait un rôle à jouer pour restaurer l'équilibre entre la vie et la mort. Pour entrer en contact avec les divinités, outre les sacrifices, de nombreuses fêtes et danses étaient pratiquées. Les dieux étaient vus comme à la fois bons et mauvais, favorables et défavorables. Toute la religion reposait sur l'idée que la vie était fabriquée à travers la mort et que même les étoiles se nourrissaient d'âmes humaines. Une légende maya raconte que les dieux ont créé l'homme 4 fois pour qu'il les entretienne et les nourrisse en retour. Les Olmèques accordaient une grande importance aux animaux puissants, jaguars, aigles, serpents, qu'ils associaient à des êtres divins. Ils croyaient que les dirigeants pouvaient se transformer en ces animaux. Ils vénéraient aussi des créatures hybrides, comme l'homme jaguar. Les Olmèques avaient codifié leurs dieux et pratiques religieuses à l'aide de symboles, suggérant une religion organisée avec un clergé. Leurs rituels impliquaient des sacrifices, des cérémonies dans des grottes, des pèlerinages, des offrandes. De nouvelles recherches permettent de mieux comprendre les rituels mayas, comme les reconstitutions théâtrales et mortelles du mythe de la création, Popol Vuh, dans des grottes, pour inciter les dieux à recréer le monde face à la sécheresse. Leurs dieux et pratiques religieuses étaient codifiées, mais on ne connaît pas les noms exacts de leurs dieux. Les chercheurs les désignent donc par des numéros, Dieu 6 par exemple. Une anecdote raconte que le grand prêtre Itzamna se piqua profondément avec une épine d'agave. Ainsi, pour le venger, un de ses fidèles s'acharna sur la plante et la réduisit en bouillie. N'étant plus qu'un amas de fibres, ainsi naquit la fibre de sisal. Le sisal est une variété d'agave qui croît dans la région du Yucatan, où il est appelé Henequen. Il a été découvert et cultivé par les peuples mayas dans la région de Mérida. Les feuilles de sisal sont utilisées pour fabriquer des cordes et des ficelles, et lorsque les Espagnols arrivèrent dans le Yucatan, ils changèrent le nom de la fibre en agave sisal et mécanisèrent le procédé de production et commencèrent à exporter le sisal partout dans le monde. C'est ainsi, dit la légende, que les Mayas mirent à jour les vertus de ce cactus et commencèrent à fabriquer les cordes qu'ils allaient utiliser pour fabriquer les tissus et faire ainsi la richesse du Yucatan. Pendant des siècles, les Mayas tissèrent leur hamac à partir de cette fibre, jusqu'à ce que le coton, fabriqué de manière industrielle dans les années 20 environ, plus doux et agréable à la peau, vint détrôner le sisal. Le Yucatan a pendant longtemps été le seul endroit sur Terre où se cultivait ce cactus, avant que les Brésiliens n'en plantent sur leur terre. Un autre rituel maya surprenant consistait à placer des enfants dans des cenotes, puis naturelles, durant quelques heures pour qu'ils parlent aux dieux, avant de les récupérer pour entendre le message divin. Ceci est probablement lié à la légende des Alux. Les Alux sont des petites créatures à l'apparence d'enfant et à l'esprit farceur. Il se dit que dans les champs de maïs du Yucatan, les Alux s'intéressaient à la façon dont les champs étaient traités par les humains. Si les champs étaient maltraités, les Alux envoyaient une rafale de maladies, des fièvres et de la folie, toutes portées par le vent, ou « mauvais air » en maya. Cependant, si les Alux recevaient des aliments et s'ils étaient traités avec politesse, ils s'occupèrent des champs et générèrent une bonne récolte en retour. Les Alux sont ainsi passés dans la vie quotidienne. Si par exemple, un Mexicain perd ses clés de voiture et qu'il les retrouve une heure après, les Mayas disent que c'est l'esprit farceur des Alux qui est responsable. Aujourd'hui, les paysans mexicains qui demandent de l'aide et la protection aux Alux doivent leur construire une petite maison. On dit que ces êtres sont des descendants des nains d'Uxmal créés par les anciens prêtres mayas et ne sortent des grottes qu'au coucher du soleil. Ensuite, à Teotihuacan, un rite appelé Tlacacalistli consistait à capturer des chefs ennemis, les dénuder, les attacher à un poteau et les tuer à coups de flèche. Leur sang devait nourrir symboliquement la terre. La religion maya était profondément liée aux cycles agricoles et astronomiques. Des fêtes et danses rituelles en costume divin permettaient de communiquer avec les dieux. Selon la légende, les dieux ont créé les humains à partir de maïs après plusieurs essais infructueux, en boue,
en bois. Mais les premiers humains étaient trop parfaits, menaçant l'autorité divine, et furent en partie détruits. Une prophétie annonçait le retour du dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes, sous les traits d'un homme blanc et barbu. Certains Aztèques auraient d'abord pris le conquistador Cortés pour cette divinité revenue. Les Mayas croyaient en des cycles de création et destruction. Il y a 12 ans, nous étions dans le quatrième monde, qui s'acheva en décembre 2012 selon certains calculs. Mais contrairement aux idées reçues, cela marqua le début d'un nouveau cycle et non une fin définitive du monde. Aujourd'hui, près de 3 millions de personnes parlent encore des langues mayas et perpétuent certaines traditions, malgré la conversion au catholicisme et les bouleversements de la conquête. Nous voilà passés en revue brièvement la spiritualité de ce peuple mystérieux. Les religions mésoaméricaines sont extrêmement riches et complexes, mêlant cycles naturels, sacrifices, mythes fondateurs, êtres surnaturels et pratiques divinatoires. La religion occupait une place centrale chez les Mayas et les Olmèques, avec une vision du monde tragique où l'homme devait nourrir les dieux par des rituels et sacrifices pour maintenir l'ordre cosmique. Un système de croyances complexes mêlant polythéisme, animisme, fatalisme et responsabilité humaine face aux forces surnaturelles. Portrait et mode de vie des Mayas. Les Mayas actuels sont les descendants des Mayas de la période classique, malgré les nombreux métissages qui ont eu lieu au fil du temps. Les représentations sculptées ou peintes permettent d'esquisser un portrait physique des Mayas de l'époque. Ils étaient robustes, de petite taille, 1,54 m pour les hommes et 1,42 m pour les femmes, avec des jambes en X à cause du temps passé sur les hanches de leur mère et de leur sœur. Ils avaient un front aplati artificiellement, un crâne allongé et étroit déformé par des planches durant l'enfance. Certaines familles nobles pratiquaient une déformation en forme de coquille. Leur visage présentait des pommettes saillantes, un prognathisme, mâchoire proéminente, peu ou pas de barbe. Ils avaient souvent un strabisme causé par un petit objet fixé à la base du nez avec de la poix. Les dents étaient limées ou incrustées de jade, les oreilles et le nez percés pour accrocher des bijoux et un anneau à lèvres inférieures. Leur corps était brun ou cuivré, peint ou tatoué, et ils avaient des cheveux noirs longs et raides, souvent tressés et avec une partie du sommet de la tête rasée. Les hommes mayas portaient généralement un sérape, un poncho aussi appelé pati, et un morceau de tissu plus ou moins long au niveau des cuisses, avec des sandales en daim aux pieds, attachées avec des ficelles de fibres d'agave. Ils sont décrits comme doux, réservés, généreux, accueillants, rêveurs et paresseux, avec peu de propension à la violence et aux excès, à part boire. Ils aiment aussi beaucoup la pipe. L'art maya est souvent traversé par des images fantastiques et surprenantes, remplies de surnaturel. Cette imagination débordante et parfois aberrante est une constante du génie maya, comme on peut le lire dans le Popol Vuh, où les chaudrons et les plats se rebellent contre les maîtres, ou dans les histoires de Miguel Ángel Asturias, qui ont fasciné Paul Valéry. Les femmes mayas doivent être modestes et baisser les yeux lorsqu'elles rencontrent ou servent un homme. L'adultère est sévèrement puni, conduisant les coupables à être empalés ou transpercés de flèches. Leur rôle principal est de s'occuper du moulin à pierre avec lequel elles devaient moudre le maïs et préparer les tortillas. Le maïs est au cœur de la vie maya, fournissant de la nourriture et des boissons et étant à l'origine du chocolat. Les hommes mayas préfèrent le balch, un hydromel enivrant, qui a également un rôle religieux et est bu lors de cérémonies et de rituels pour demander des faveurs. Il est fabriqué à partir de miel et de jus de canne à sucre dans lequel est macérée l'écorce de balch, puis les hommes du clan se rassemblent dans un lieu spécial, interdit aux femmes, pour prier et chanter autour du feu sacré. Ils brûlent du pomme, résine copale, dans des vases d'argile décorés d'images de dieux et ont les joues peintes, ainsi que les membres et les tuniques, avec de l'achiote orange. L'achiote est une épice rouge-orange, fabriquée à partir des graines du fruit de l'arbre qui porte le même nom. Elle est couramment utilisée dans la cuisine latino-américaine, pour colorer et assaisonner les plats.
les Mayas ont une passion innée et incommensurable pour la cuisine et le spectacle. Les artistes reproduisent sur les murs et en stuc et pierre, avec une richesse étonnante, les motifs très divers des vêtements, bijoux, colliers, cuirasses, pendentifs, anneaux d'oreilles et de narines, coiffes surprenantes et masques. Tous ces éléments servent à couvrir celui qui les porte, le rendant méconnaissable, anonyme, un autre. La société Maya était structurée selon un modèle proche de celui de la société féodale, avec un prince ou un chef de tribu dirigeant la cité-état, avec sa noblesse, le clergé et la masse du peuple, composée en grande partie de paysans. Les Mayas avaient une organisation politique en cités rivales, ce qui a conduit à les comparer aux cités grecques de l'époque classique. Les cités Mayas étaient également comparées aux villes italiennes de la Renaissance, avec des liens culturels, religieux ou linguistiques plutôt que politiques. Les Mayas avaient une société très hiérarchisée, avec une noblesse et un clergé qui détenaient le pouvoir et la masse du peuple, composée en grande partie de paysans. À la tête de chaque cité-état Maya se trouvait une sorte de roi-prêtre, le vrai homme, Halakha Winik, dont la position était héréditaire. Le Halakha Winik dirigeait l'État avec l'aide d'un conseil composé de chefs de clans totémiques, de prêtres et d'anciens, aujourd'hui maires. L'emblème de son autorité civile était une sorte de sceptre courbé, mannequin, terminé aux extrémités par des têtes fantastiques. Le clergé maya constituait la classe savante de la société, servant d'intermédiaire entre le peuple et les divinités. Le serpent souverain ou le grand prêtre, connu sous le nom d'Aokan, était à la tête de la communauté des prêtres et était considéré comme omniscient. Son prestige était tel que de nombreuses offrandes importantes et diverses étaient versées vers sa demeure. Il était le premier conseiller du prince et toutes les tâches culturelles et religieuses étaient incluses dans son domaine d'activité, notamment l'astronomie, la divination, les calculs chronologiques, l'élévation de temples et d'autels, la rédaction des codex, l'éducation des novices, les règles de l'agriculture et les sacrifices. Pour accomplir ces tâches multiples et fatigantes, le grand prêtre était aidé par un grand nombre de prêtres, les Akini. Une autre classe de prêtres, les Shilami, qui étaient des guérisseurs et des devins, étaient également très respectés par le peuple et avaient des contacts plus étroits avec la population que les Akini qui se connectaient avec les divinités. Paradoxalement, la tâche du grand prêtre, qui exigeait la maîtrise d'un savoir très vaste, était héréditaire. Cela signifie que le poste de grand prêtre était transmis de génération en génération au sein de la même famille, indépendamment des compétences ou des connaissances de l'individu. La grande masse du peuple était composée principalement de paysans, qui, en cas de besoin, pouvaient se transformer en armée ou en équipe d'ouvriers pour les travaux publics. Les artisans et les artistes formaient des corporations spécialisées dans des tâches plus complexes, telles que la sculpture sur silex et jade, la réalisation de mosaïques de plumes, la peinture et la production de poteries de luxe. La classe théocratique et féodale était soutenue par le peuple grâce à des hommages, des offrandes et des corvées, ce qui a permis la construction de pyramides, de temples, de palais et de routes. Cependant, les élites n'ont pas semblé contribuer à l'amélioration des techniques pour faciliter l'effort demandé au peuple. Et tout a été transporté et sculpté uniquement par la force des bras et avec des outils néolithiques. Au IXe siècle, il y a eu un abandon de la part du peuple épuisé par le combat et les efforts demandés. Les élites ont probablement été contraintes de se restructurer et de devenir des paysans. Et il y a parfois des traces d'émeutes qui montrent que le changement ne s'est pas produit sans heurts. En dessous des paysans se trouvait une caste d'esclaves, les Pentakobi, probablement alimentés par des incursions militaires ou des prisonniers de droit commun. Cependant, très peu de choses sont connues sur leur statut et leurs conditions, et le sujet fait l'objet de discussions entre spécialistes. Les Mayas étaient généralement monogames. Les adolescents se regroupaient séparés selon leur sexe, et les premières rencontres étaient maladroites, avec des échanges de regards furtifs. Eric Thompson décrit une coutume au bord du lac Atitlan, où un jeune homme brise la cruche d'une femme qu'il désire lorsqu'elle va chercher de l'eau. Si elle ne proteste pas,
Cela signifie qu'elle accepte, sinon il doit essayer avec quelqu'un d'autre. Les mariages étaient précédés de longues négociations menées par les prétendants officiels. Le mari devait vivre avec sa belle-famille pendant 3 à 6 ans après le mariage pour aider son beau-père dans la culture de la milpa, la chasse et la pêche. Lors de la chasse, ils creusaient des trous et mettaient des pièges. Dans la maison, ils entretenaient la réserve de bois et élevaient des abeilles d'une espèce spéciale sans aiguillon dans des ruches faites de troncs d'arbres creux. Le mari devait également faire quelques cadeaux à sa femme, tels que des graines de cacao, des perles taillées dans des coquillages, du tissu de coton, des pichets ou d'autres objets en céramique. Le prêtre fixait la date du mariage en fonction de la position astrale des futurs époux. La cérémonie de mariage était généralement l'occasion de festins où l'on buvait beaucoup de balsh, un hydromel fort. Les femmes servaient à table en évitant le regard des hommes et en détournant la tête pendant qu'ils buvaient. Pour les Mayas, la stérilité était très déshonorante pour une femme et pouvait entraîner le divorce. Cependant, si une femme rêvait d'un serpent, cela était considéré comme un signe qu'elle allait bientôt devenir mère et elle en était heureuse. Les enfants étaient élevés de manière stricte dans un grand respect pour les parents. Ils apprenaient à respecter les autres, en particulier les personnes âgées, en observant le respect de leurs parents envers leurs propres parents. Les enfants étaient également encouragés à aider leur entourage, ce qui leur donnait un fort sentiment de collectivité. Les Mayas de la période classique avaient des pratiques corporelles spécifiques pour répondre à leurs standards de beauté. Les parents des milieux plus aisés pressèrent la tête du bébé entre des planches pour lui donner une forme allongée et déchiquetée, visible sur de nombreux bas-reliefs. Les hommes et les femmes se coupaient les incisives ou y incrustaient de petits grains de pyrite, d'obsidienne ou de jade lorsque cela était possible. Les guerriers se laissaient souvent des cicatrices sur le visage, certaines en forme de perles. Les jeunes peignaient tout leur corps et leur visage en rouge, sauf pendant les périodes de jeûne où le noir était rendu. Le noir était également la couleur des guerriers et le bleu était la couleur des prêtres. Des capsules en céramique peintes et gravées étaient utilisées et trempées dans de la peinture pour peindre le corps. Les femmes peignaient leur buste de la même manière, sauf leur sein. Après plusieurs années de vie commune dans la cabane des parents de l'épouse, le couple, aidé par des amis, il construisait sa propre cabane dans une milpa, terre défrichée pour la culture. Les maisons mayas étaient reconstruites avec des matériaux locaux tels que la pierre, les briques crues, le bois et les branches de palmiers, en fonction de la région où elles se trouvaient. La forme rectangulaire était la plus courante, bien que des formes rondes ou carrées soient également utilisées. Les maisons n'ont pas beaucoup changé d'apparence au cours des 2 derniers millénaires. Avant d'emménager dans une nouvelle maison, des rites de purification étaient pratiqués pour chasser les mauvais esprits. Les maisons plus spéciales avaient un mur de séparation intérieure, divisé en 2 pièces. La pièce de l'entrée servait de lieu d'habitation et de réception régulier, tandis que l'autre, à l'arrière, était utilisé uniquement par les membres de la famille. Le mur intérieur pouvait être décoré de peinture. Les meubles se composaient de bancs, de tables basses, de nattes, de lits en bois recouverts de nattes de jonc et de réserves de maïs conservées dans des caisses en bois ou des récipients en terre cuite. Les femmes mayas se levaient très tôt, vers 3 ou 4 heures du matin, pour préparer le petit déjeuner. Le repas du matin se composait généralement de tortillas, galettes de maïs ou de haricots, ou d'atol. L'atol était un jus chaud à base de maïs moulu et bouilli dans de l'eau avec du miel, en particulier pour les familles pauvres. Après le petit déjeuner, les hommes partaient travailler au champ, à la chasse ou à d'autres travaux. Ils pouvaient également aller pêcher dans leurs pirogues, sur la mer ou sur les nombreux cours d'eau, sur les bras de rivière ou dans les lagunes du Chiapas ou du Tabasco. Les gens de la côte avaient de grandes pirogues pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes et quelques skiffs à double coque, similaires à certains catamarans. Un tableau du temple des guerriers de Chichen Itza montre une scène d'un village sur la côte où les grenouilles, les tortues, les poissons, les palourdes, les crabes et les poissons-chats venimeux
nagent autour de trois bateaux, chacun avec un homme pagayant devant et, derrière, deux guerriers armés. Sur le rivage, entre les cabanes disséminées parmi les arbres, la population semble travailler paisiblement, tandis que les commerçants ambulants, courbés sous le fardeau, s'éloignent du village. Les femmes mayas préparaient le maïs en le battant et en le moulant sur une meule légèrement concave, à l'aide d'un rouleau de pierre appelé « cab ». Elles cuisaient ensuite des tortillas, des tartes aux acans, pâtes de maïs, sur une plaque d'argile chauffée, sur les trois pierres rituelles du foyer. Les tortillas étaient gardées au chaud dans des pots en argile et elles préparaient également du pozole koyem, une variante du zakan, qui était ramolli et emporté sur la route, enveloppé dans des feuilles de bananier. Pour obtenir du chocolat, elles mélangeaient de la semoule de maïs, du cacao et du poivre. Le repas principal était servi vers le coucher du soleil et comprenait des haricots, de la dinde, du daim, du ragoût de pécari, parfois des légumes et du chocolat. Elle cuisinait également un tsom, une espèce de chien sans poil élevé uniquement pour être mangé. Après le repas, les hommes prenaient un bain chaud tous les jours dans une boîte creusée dans un tronc de cèdre. Vers 8 heures du soir, toute la maison dormait, mais on prenait soin de maintenir le feu allumé entre les trois pierres toute la nuit. Il est possible que l'odeur âcre de la fumée ait imprégné tout, en particulier les vêtements. La mort et les funérailles d'un chef maya étaient une cérémonie élaborée et significative, basée sur les traditions et les observations archéologiques décrites par Eric Thompson dans son livre « The Rise and Decline of Maya Civilization », « La grandeur et la décadence de la civilisation maya ». Au moment du décès, les proches inséraient une perle de jade dans la bouche du défunt, dans laquelle l'âme du mort entrait comme dans une nouvelle demeure, ainsi qu'une poignée de millet. Pour les funérailles, parents, voisins et dignitaires participaient en nombre. Certains transportés en palanquin, s'éventant lentement, tandis que les porteurs du corps des défunts transpiraient, recouverts seulement d'un petit tissu autour des hanches. Le mort devait être paré de tous ses bijoux en nacre ou en jade. Boucles d'oreilles en jade vert accrochées à ses oreilles. Molletières, avec des cloches de cuivre qui tintaient à chaque pas de son vivant, il couvrait ses jambes sous les genoux. Il portait des sandales, en cuir soigneusement travaillé. Un morceau de tissu de coton, avec des broderies complexes, entourait sa taille et sa tête, ornée de plumes pendaient devant et derrière. Sur ses épaules se trouvaient plusieurs vêtements en coton brodé ou des plumes. Le « kit » que les femmes esclaves préparaient depuis plusieurs mois. Ainsi paré, le défunt était placé, accroupi, à l'intérieur d'une grande caisse en bois qui ne pouvait pas être appelée « cercueil », étant presque cubique. Quatre esclaves portaient la litière sur laquelle cette caisse a été posée. Bien que les Mayas ne nous aient pas laissé de scènes documentaires écrites ou gravées de leur vie quotidienne, comme les Égyptiens à l'époque pharaonique, quelques inscriptions et petites figures en argile trouvées dans les tombes, sur l'île de Jaina et ailleurs, nous présentent diverses figures complètes de la vie de personnages de haut rang, le plus souvent des dignitaires, des dames nobles, des prêtres, mais aussi des guerriers, des joueurs de pelote, des nains et, moins souvent, des tisserands. Dans des cas exceptionnels, les classes populaires ont trouvé leur place dans les représentations artistiques. La ville jardin maya. La disposition des maisons dans la cité maya était très différente de celle des villes modernes ou même médiévales. Les maisons étaient plus rares et éloignées les unes des autres, organisées autour de la place et du centre cérémoniel. Au-delà de ces centres, les maisons étaient dispersées, dans une région pleine d'arbres et de terres cultivées. Par conséquent, le passage de la campagne à la ville était à peine perceptible. Les habitants s'occupaient des champs et de leurs produits, donc le rôle du marché était mineur, et il n'y avait pas de marché d'approvisionnement comme dans une ville classique. Seuls les membres de la classe noble et le clergé, les artistes et les artisans vivaient en centre-ville, ayant sans doute leur parc et potager. En termes de classe ouvrière, elle n'existait pas car elle se confondait avec celle des paysans.
Ces derniers assuraient la plupart des travaux de construction et d'entretien à travers des corvées et ne devenaient soldats qu'en cas de besoin. Il est très difficile d'estimer le nombre d'habitants de ces villes. Le Carnegie Institute a opté pour le chiffre de 50 000 pour Waxactun, tandis que Morlaix, l'un des plus grands spécialistes, a estimé jusqu'à 200 000 habitants pour chacune des villes les plus importantes, Tikal, Copan, Uxmal, Chichen Itza. Cependant, ces chiffres sont probablement exagérés en raison de la grande dispersion des cabanes qui réduisait considérablement la densité. Une estimation de 20 000 à 50 000 âmes semble plus raisonnable. La plupart des gens ne vivaient pas dans la ville maya, mais y passaient plutôt pour participer aux cérémonies, apporter des offrandes au temple et se confesser au prêtre Chilam. Ils venaient en groupe, portant des costumes colorés spécifiques à leur lieu d'origine, et transportaient de lourdes charges sur le dos, retenues par une sangle fixée sur le front. La foule était composée d'hommes et de femmes, souvent avec un enfant sur la hanche, et parfois un grand chef passait dans une litière. Des équipes d'agriculteurs venaient également en grand nombre pour se rendre disponibles auprès des artisans mandatés en permanence par le clergé pour construire ou restaurer les temples et les pyramides qui faisaient la fierté de la ville. Tout le matériel devait être transporté sur le dos jusqu'au lieu de travail et travailler uniquement avec des outils de pierre. Les Mayas étaient connus pour leur architecture impressionnante, notamment leurs temples pyramidaux et leurs palais ornés, construits dans tous les centres mayas, d'Eltagin au nord à Copan au sud. Les caractéristiques de l'architecture maya comprennent des plateformes surélevées à plusieurs niveaux, d'immenses pyramides à degrés, des toitures en encorbellement et des escaliers monumentaux. Les extérieurs étaient décorés de sculptures et de moulures de glyphes mayas, de formes géométriques et d'iconographies religieuses comme les masques de serpents. Les Mayas utilisaient des matériaux locaux facilement disponibles, comme le calcaire à Palenque et Tikal, le grès à Quirigua et le tuf volcanique à Copan. Les blocs étaient taillés uniquement à l'aide d'outils en pierre. En l'absence de rivières ou de lacs à proximité, les Mayas ont dû créer un réseau d'immenses réservoirs à Tikal pour recueillir et stocker suffisamment d'eau de pluie pendant la saison des pluies. Les carottes de sédiments prélevées par des scientifiques modernes et des archéologues dans les réservoirs de Tikal ont montré que les Mayas utilisaient un système de purification de l'eau très avancé, utilisant de la zéolite, un matériau encore courant dans les filtres d'aujourd'hui. La cité Maya était une véritable cité-jardin, différente de la cité orientale surpeuplée et anarchique. Les maisons étaient éloignées les unes des autres, propres et cachées sous le feuillage, séparées des jardins cultivés. Les artères majestueuses étaient conçues avant tout pour le faste des processions et en rejetant la rue, l'urbanisme maya donnait aux villes un aspect presque moderne. Les constructions ne bordaient jamais une artère et l'absence de véhicules et d'animaux de traite ou de charge rendait la rue inutile. C'était vraiment un centre piétonnier avec un paysage et un aménagement libre dans lequel s'alternèrent les esplanades et les monuments funéraires, les cultures et les palmiers. Cette constitution urbaine exprime également le pacifisme fondamental des Mayas. Les villes entretenaient probablement des relations pacifiques entre elles, concluant rarement des conflits, car les ouvrages militaires, les fortifications, les remparts et les tranchées manquaient, surtout à l'époque classique. On peut croire cependant qu'il y avait une sorte de clôture en bois comme mur de ceinture qui n'a pas pu résister à tant de siècles d'humidité. Henri Stirling note que « les profondes différences entre les projets et les règles d'organisation des villes plaident pour une relative autonomie de la civilisation maya dans les différentes provinces. Nous sommes en présence d'une organisation de type fédéral, fondée sur des similitudes culturelles, plus que sur une véritable unité politique. La cité maya était centrée sur une esplanade entourée de temples et de salles pour les conseils, ainsi que de résidences pour les chefs. » Autour de ces bâtiments se trouvaient les résidences d'artistes et de novices. Cependant, la majorité de la population restait rurale. Un récit de 1695 décrit la ville de Tecpan au Guatemala, donnant une image précise de ce qu'aurait pu être une ville maya à l'époque classique.
Le sol de la ville était recouvert d'une sorte de revêtement de sol en mortier et en ciment. Parmi les bâtiments, l'un d'eux avait une façade longue de 100 pas, entièrement en pierre et en mortier, avec des pierres taillées avec beaucoup d'habileté, polies et parfaitement ajustées. Ce bâtiment ornait une grande place carrée d'une grande beauté. Un autre bâtiment était décrit comme ayant une splendeur royale, et de nombreuses habitations bien réparties prouvèrent le degré de civilisation des anciens maîtres. Sur une petite colline dominant la ville, un bâtiment circulaire était l'ancien palais de justice, où le conseil des juges se réunissait pour débattre des causes. Des messagers étaient parfois envoyés dans un petit temple voisin pour recueillir les oracles, les décisions sacrées de la divinité locale, représentées par un bloc d'obsidienne. Si la réponse était défavorable, l'accusé pouvait être immédiatement torturé ou exécuté sur le podium central. La justice était l'une des prérogatives de la classe dirigeante et était essentiellement orale, sans aucune bureaucratie. Il y avait des contrats, des accords et des transactions, uniquement verbaux. Et le pouvoir du mot signifiait plus que la signature. Les contrevenants risquaient d'être mis en joue en bois autour du cou et d'être emprisonnés ou exposés en public, liés aux piliers de l'infamie. Les personnes en attente de jugement ou d'exécution étaient enfermées dans une cage en bois peint. Ceux condamnés pour adultère ou viol étaient tués avec des flèches ou empalés après avoir été exposés en public, nus et rasés, attachés à un poteau. Un voleur devenait esclave jusqu'à ce qu'il ait payé la rançon, ou son front et ses joues étaient entaillés, le marquant ainsi pour toujours. Un assassinat conduisait au meurtre de l'assassin, qui était menotté et placé entre deux piliers avant d'être percé de flèches. La justice était essentiellement orale, sans aucune bureaucratie. Il y avait des contrats, des accords et des transactions, uniquement verbaux, et le pouvoir du mot signifiait plus que la signature. Les contrevenants risquaient d'être mis en jougue en bois autour du cou et d'être emprisonnés ou exposés en public, liés aux piliers de l'infamie. Il semble que les condamnés de droit commun n'aient pas été sacrifiés sur l'autel des temples, car ils étaient considérés comme indignes. Au lieu de cela, certains prisonniers de guerre condamnés considéraient cette exécution comme un véritable honneur, car ils croyaient qu'une personne exécutée vivrait dans les constellations et deviendrait une étoile. Ces châtiments pour les crimes sont connus grâce au témoignage de Xiu, descendant des rois de Mayapan, qui vécut au XVIe siècle. Les Mayas, bien qu'étant un peuple plutôt pacifique, ont parfois mené des guerres, en particulier après l'arrivée du peuple Tuya. Les Tuya avaient de fortes tendances militaristes et une caste de guerriers qui éclipsait en partie le clergé. Les Mexicains ont également apporté des améliorations dans l'art de la guerre des Mayas, en introduisant de longs propulseurs à lance et des lances minces, bonnes pour le combat à distance et offrant un pouvoir de pénétration supérieur. Les nomades des steppes du Nord avaient introduit l'utilisation de l'arc et des flèches sur le plateau central du Mexique, et leur utilisation s'est rapidement étendue au Yucatan. Dans un combat, après avoir envoyé de loin une volée de lances à pointe de silex, les guerriers chargés de se battre au corps à corps tenaient dans une main une épée en bois pleine de copeaux de silex, macana, et dans l'autre, un bouclier rond ou carré, généralement orné de symboles solaires, souvent recouverts de peaux de jaguar ou de cerf. Les boucliers étaient fabriqués en canne tressée et étaient très faciles à manipuler au combat rapproché. Les membres des ordres militaires, tels que les jaguars, les pumas et les aigles, se reconnaissaient à leurs signes, à leurs coiffes chargées de longues plumes, souvent en forme de masque imitant des têtes d'animaux. Un deuxième bouclier attaché au dos protégeait le guerrier des surprises. Il portait parfois aussi un gilet de coton, étamé et rempli de sel pour le renforcer, ce qui rappelle le sagum romain et gaulois. Les Espagnols ont également adopté ce gilet, convaincus de son efficacité. Les guerriers mayas portaient parfois la mâchoire d'un ennemi tué sur leurs bras comme bouclier ou comme bracelet. Les batailles étaient menées par des ordres militaires, chacun avec son propre drapeau, et les cris des guerriers étaient couverts par le battement de gros tambours, de coquillages marins, de buccins et de trompettes.
l'absence d'uniforme, les silhouettes gonflées de gilets, les masques, les membres peints, les plumes, les dessins peints sur les boucliers et les milliers de couleurs. Donnait un aspect fantastique au combat, comme le montre la représentation picturale sur un mur à Bonampak. Bien que certains pensent que le premier millénaire a été paisible, les fresques de Bonampak, les étoiles de Piedras Negras et les nombreuses figurines en argile représentant des guerriers redoutables suggèrent le contraire. Malgré le fait que les Mayas de la période classique manquaient d'armes, ils utilisaient des tactiques telles que des remparts, des murs en bois avec des fenêtres pour lancer des flèches et des tours d'observation pour se protéger. Ils se servaient également des grenades en terre contenant des nids de guêpes sur les hauts plateaux mayas. Cependant, la guerre chez les Mayas était souvent motivée par des raisons religieuses et était considérée comme une sorte de sport indispensable. Mais quelle était cette religion qui méritait le combat ? Quel trésor de savoir devait-il garder jalousement ? Chers amis, nous allons voir tout cela dans la deuxième partie de ce documentaire. Entre-temps, restez curieux et à l'écoute. Maintenant, il est temps de se dire au revoir et à très bientôt pour continuer notre découverte du monde Maya. Bye bye.